Mike ne tardera pas à rentrer pour passer des flics. Avec un chrono de 2,07, Mike vient de réussir un gros coup. 1 seconde 6 devant son plus proche poursuivant, décrochant la deuxième place sur la grille de départ à la moyenne des trois pilotes. Qui a dit que l'endurance pouvait être ennuyeuse? La cohésion a payé. What's happening? Yes. T'as fait le temps. T'as fait le boulot, mon gars. T'as fait le meilleur camp, mais en fait, on a perdu trop de temps avant toi. Non, mais il est là dans ma zone, si t'as appris. Il est à 2 secondes 9. 1 seconde 9. C'était mieux avec le gros pneu, les chroniques ou pas? Ah oui, moi, de quoi? Avec le pneu pluie. Quand t'es parti. Ah moi, c'est arrivé, ouais, nickel. Bon, bah, c'est cool au moins. T'as fait un bon tour, Greg, il était derrière toi. Et il a fait une erreur. Il a fait une erreur dans le gauche mouillé. Mais il a voulu. Le tour d'avant, j'ai fini nickel. Ouais. Voilà, j'étais fort à l'arrière, pas glissé, tu vois. Non, l'entrée, il est rentré trop vite, il a pas tourné. Oh, c'est cool, franchement bravo. Ouais. On était mauvais, je te jure, on a cru que c'était la fin de course, on était vieux, on était un bloc. Mais je sais pas si on est passé un tour avant, tu vois, pour plus vite. Non, mais tu sais quoi, après on s'en va rien changer, on avait trop de retard avant. C'est avant trop de retard. C'est pas toi, c'est nous qui avons fait trop d'erreurs. Là, ce qui était incroyable, je suis parti avec des pluies, ça glissait sur les parties mouillées. Quand je passe en slick, sur les parties, juste les petits patchs mouillés, j'avais autant de grippe. Et c'était incroyable, j'étais là, c'est pas possible, ça tient. Donc quand j'ai vu ça en sortant des stands, je suis devenu fou sous mon casque et j'avais qu'une envie, c'est d'emplâtrer un chrono et voilà, d'essayer de mettre le plus de gap au deuxième et tout donner le maximum. Après, je suis le troisième pilote, donc je peux prendre peut-être plus de risques que mes coéquipiers parce que on a deux motos, mais bon, ça met un petit peu de stress si un des deux avant tombe. Moi, si je suis troisième parce que j'étais trop donné, c'est moins grave, on va dire. 18h. Pendant que l'équipe prépare le menu du jour suivant, fait la vaisselle, et que les pilotes s'entraînent aux langues étrangères, Fuji fait lui dans la sobriété et en appelle au débrief. Et si ça ne bronche pas, c'est tout simplement que débute la phase cruelle mais nécessaire de sélection d'une endurance de 8 heures. We are checking is your level, your time. If normally again, on a same formation. But if some people, some rider is delay, we change our formation. Certains silences en disent long. Yes, just so. And one biggest change point is our target is 25 laps. This track is so long. We need about 950 cc per lap. So big change for the safety reason. If you see the fuel caution lamp, please come to the pit lane. Pit it. Yes. So I changed. At the end or in the middle now? No. If you see? Yes. Okay. So I already changed the remaining fuel level. So it's so difficult to find out the correct position. From the switch on here? We going? Yes. So what if it switches on here, we don't see it until here? Yeah. No problem.
No problem. You stay full gas or you stay? Yes, of course. Yeah. Okay. It's just before the last corner. You see, before last corner. Yes. In this case, you didn't know. Yeah. But you are ready. Because we are ready when the. We're ready. Don't worry. Sure. And, I looked. For the moment, we have 10 skins. 10 skins. But this is fine. Finally, this 12 minutes before, it's just splash if it go normally. And if we have some safety car, we don't have this skin. So it would be 19. Conso, relais, mode d'injection. Toutes les questions sont abordées. Clairement, il n'existe aucune question idiote. Et aucun doute ne doit subsister entre les membres de l'équipe et les pilotes. Chacun espérant ne pas être le maillon faible. Les deux heures qui précèdent le départ sont toujours un peu particulières en endurance. C'est le seul moment où le mot « équipe » ne semble plus avoir de sens. La pression ne se concentre plus que sur un seul pilote, tandis que les deux autres sont sans doute dans la frustration. L'endurance est d'ailleurs la seule course qu'il est possible de gagner en tant que pilote sans en avoir vécu les deux moments clés, le départ et l'arrivée. S'il se dit souvent que la place en qualif n'a que peu d'incidence sur le résultat final, un départ reste essentiel pour un pilote. C'est parti pour 8 heures de course où le mot « endurance » ne semble finalement faire référence qu'au ravitaillement. Car d'entrée de jeu, la lutte est féroce entre la Honda 111, la Yamaha du Yark et la Honda FCCTSR. Mike prend carrément le leadership de la course. Au moment du ravitaillement, la tension est extrême. Tout semble se dérouler à la perfection jusqu'au moment où l'opération s'éternise du côté de l'avant. Le bocal de liquide de frein se fait la malle. La moto est repartie, mais le doute s'installe. Josh est passé devant la pit lane en levant la jambe. Retour au box, où l'infernal engrenage des emmerdes semble se remettre en route. Traction control qui se déclenche partout dans la partie du milieu parce qu'il disait que la moto elle marchait plus.
Et est-ce qu'il serait pas un mode Saint-Esprit, il aurait pu se rein. Parce que moi quand j'ai poussé le truc, hein, tu sais là j'ai remis le bocal, ça a tapé dans le truc de pluie et tout ça, la reine. Faut faire attention qu'il n'est il est pas en mode reine. C'est mort, la seule chose qui peut nous aider dans notre pluie, temps, ça, c'est la pluie. C'est pas possible. Putain, on avait... Ouais, ils avaient tout pour réussir. Mais le sort va s'acharner, plus particulièrement sur Freddy. Freddy n'aura pas l'occasion de passer un autre pneu. Les consignes du briefing avaient été claires. Freddy vient d'apprendre qu'il ne remonterait pas sur la moto. Le coup de massue est énorme, cruel. L'endurance demande un esprit d'équipe permanent jusqu'au moment où l'on se retrouve brutalement mis à l'écart. Un véritable cauchemar, dira même Freddy. Dans le box, la course ne laisse pourtant pas de place aux sentiments, d'autant que la pluie menace. Connecté à toutes les webcams environnantes, Omori est capable de prévenir l'arrivée de la pluie à 2 minutes près. Dans la pit lane, Fuji surveille les équipements pneumatiques de tous les concurrents. Dans le box, l'intégralité des choix pneumatiques est en chauffe. On scrute, on observe, on lève le nez, on tend le bras, on touche, on va, on vient, on entre, on ressort. Slick, non, ne plus, non, slick, non, ne plus. Josh rentre juste à temps. Un tour de retard sur le bon changement de pneu pouvant se chiffrer en dizaines de secondes. Sous l'œil désormais absent de Freddy, Josh repart doubler son relais. La moto est désormais quatrième, tout le monde retient son souffle. Le résultat de ces 8 heures va désormais se jouer sur la stratégie et la capacité à rester sur ses roues. Témoin privilégié des premières chutes, Josh s'applique. La Honda 111 part à la faute et offre désormais une virtuelle place sur le podium à la numéro 1. Il reste une heure de course qui va en paraître 10. Le choix d'assurer et de repartir en pneu pluie sera le bon. Wow. 20h, la numéro 1 renoue enfin avec le podium. Alors ok, embrassade, feu d'artifice, champagne, mais on sent bien que ça n'a toujours pas le goût de la victoire. La FCC TSR Honda France n'est que 5e au championnat, avec 34 points de retard, et les regards sont déjà tournés vers la prochaine course en Allemagne.